Nous sommes tous d'accord pour dire que cette journée n'est qu'une première. Il a été décidé d'une montée au Mans, devant la préfecture, avec la population, les élus, et plus largement du territoire, aussi bien de Château-du-Loir, mais également Saint-Calais, puisque, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, il y a 5 ans, un millier de personnes étaient dans la rue à Saint-Calais pour défendre ses urgences. Aujourd'hui, les urgences de Saint-Calais, même si c'est compliqué, existent toujours. Donc, comme je vous le disais, la prochaine étape, c'est un rendez-vous devant la préfecture du Mans et une demande de rendez-vous au préfet pour bien lui communiquer que le Sud-Sarthe ne sera pas demain sans urgence. Avant de conclure et de laisser se dérouler ce rassemblement, et je voulais un dernier mot dire que nous allons effectivement avoir cet échange avec le préfet de la Sarthe pour rappeler, comme on le fait ce matin, en parfaite unité avec l'ensemble des représentants du département, que nous serons fermes sur ces positions et qu'il appartient à l'ARS et à l'État de nous trouver les urgentistes nécessaires pour faire fonctionner notre centre.